ダンスがどれほど違うかというその違いについての驚きは今でも続いているのではないかということなんですね。で、ここにちょっとデュボワさんがお書きになった本があるんですけれども、これはフランス時代にお書きになった本でしょうか。労働法小説って言ったらいいんでしょうか。労働法について細かくその法規を説明解説した本です。C'est un livre que j'ai fait pour essayer de rendre compréhensible aux gens qui ne sont pas des spécialistes le droit du travail. Et je peux vous dire que c'est très difficile de rendre facile à comprendre quelque chose qui est a priori compliqué. C'est que c'est un livre qui est 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 un livre qui まあ、労働法というのは、まあ、人々の生活、仕事に大変深い関係を持つものですけれども、その内容についてはなかなか分かりにくい。その辺のところをデュボワさんは誰にでも分かるように努力してお書きになったんだそうです。そしてビヨンボンデュそしてパマルボンデュかなりの売れ行きであったようです。そしてまたもう一つ本があるんです。これは日本時代になってからお書きになったものなんですが、これは日本人が国際人と言われないわけ、これは協調なんですね。ドットコレクティブで日本語でお書きになっていらっしゃいます。ここではラスト部分で。Là, l'idée c'était de l'idée c'était un livre, c'est un livre très sérieux. Mais l'idée c'était de c'était pas mon idée d'ailleurs, c'était l'idée de l'éditeur, mais de dire aux Japonais ce que les Japonais ne se disent pas eux-mêmes. Et donc nous les étrangers, nous devons tenir ce langage. まあ、タイトル自体はその編集者から出たものだそうですけれども、まあ、日本人が国際人と言われないわけというテーマで、デュボワさんがいろいろ日本時代に獲得なさった経験あるいは知識を込めて、まあ、日本人に愛を込めて書いてくださった著作のように私も拝読して思いました。でそのじゃあ日本でどのようなことをなさっていたのかということをちょっと伺ってみます。お Japon vous avez fait vous avez rempli de différentes fonctions importantes。Ça fait donc 11 ans que je suis au Japon. J'ai tout d'abord travaillé à l'ambassade de France comme attaché commercial. Et là, bon, j'avais pas mal de choses à faire. En particulier, j'ai eu l'occasion, c'était ça qui était très intéressant, de participer à des négociations commerciales, économiques. Et donc, d'être encore une fois confronté à cette difficulté de compréhension parfois que nous avons. C'était un travail assez passionnant. Oui. Ensuite, j'ai quitté l'ambassade pour diriger le bureau de l'Union des fabricants.L'Union des fabricants, Nice Brand, Tsuihono. Qui est un organisme, comme vous l'avez dit, de lutte contre la contrefaçon. Voilà, la photo, oui. Donc là, au début de mon activité, je montre des contrefaçons de ceinture. Et mon travail a consisté de temps en temps à la télévision, de temps en temps avec les journaux, à essayer de créer un intérêt autour de ce sujet pour que les autorités japonaises soient un peu plus actives. Ce qu'elles sont d'ailleurs devenues maintenant, puisque le problème, sinon, n'est pas complètement résolu, mais très très nettement progressé. で今ご覧いただきました日本でまずデュボワさんはフランス大使館の商務官としてお仕事をかなり長いことなさったそうです。11年間の日本滞在になるそうですけれども、その商務官時代にはさまざまな日本政府と の, その経済的な協議であるとか、そういう公式の場にも加わっていろいろな経験をなさったようです。そしてまたその次には先ほど写真でご覧いただきました、東京で の, その偽ブランド追放の、まあ、中心的な存在として時には、新聞やテレビにも姿をこの先ほどのように見せられて偽ブランド追放のために戦われました。これはユニオンデファブリカンという事務所の、まあ、東京代表としての活躍の時代です。そして現在 の, その外国法人の弁護士になられたわけですけれども、日本で弁護士になられたその気分っていうかお気持ちはどんなものかをちょっと伺ってみようと思います。どんまずのエタンアドミオバオアトキョキスクスラブロプレゼント écoutez ça représente beaucoup de choses pour moi d'abord parce que c'est un depuis que nous pouvons exercer au Japon c'est pour moi le moyen de faire le travail que j'aime faire puisque je suis avocat depuis l'origine et donc pour moi c'est ça c'est pouvoir travailler comme avocatEt puis ensuite, c'est aussi le fait d'appartenir un peu plus, si vous voulez, au système japonais, être un peu plus intégré à la société japonaise, puisque je suis membre du barreau de Tokyo,
Et je ne vous cacherai pas que ça a été pour moi une certaine émotion. Quand le jour où j'ai dû prêter serment en japonais, dans la grande salle du barreau de Tokyo, avec beaucoup d'avocats japonais autour de moi, et il y avait d'autres gens qui prêtaient serment avec moi, japonais, j'ai eu une émotion et j'ai eu l'impression qu'effectivement maintenant j'appartenais un petit peu, un peu plus à la famille japonaise, en quelque sorte. Et c'était un sentiment nouveau d'abord, mais assez intéressant. ではその日本で弁護士になれたということを、それはまあ大変そのご自分の好きな弁護士という仕事を日本でやることができるわけですから、大変嬉しかったということです。でそしてしかもその東京弁護士会に所属するその宣誓式の場で、まあ、あの正直あのなところ大変こう感動した、まあ、これで本当の日本の家族の一員になった、日本社会の一員になったという感じがなさったんだそうです。それではそのディボアさんが若い頃から関心を持っていらっしゃったその人権の問題について伺ってみようと思います。En ce qui concerne le problème des droits de l'homme, il y a longtemps que vous êtes intéressé à ce problème. Écoutez, oui, comme vous l'avez dit, j'étais un petit peu idéaliste. Donc, quand on est idéaliste, on s'intéresse nécessairement aux droits de l'homme. Et d'autant plus que les droits de l'homme, c'est vraiment, je crois, la base de toute non pas de réflexion, mais la base de toute action, cas politique, de réflexion. Et donc, très rapidement, je me suis intéressé à la question et j'ai participé à des mouvements de défense de la droit de l'homme, des droits de l'homme en France, qui, dans les années 70, se sont pas mal développés, en particulier en relation avec l'Union soviétique, où, comme chacun sait, les droits de l'homme posaient quelques problèmes. あ今映ってますのはその68年の5月革命の写真ですけど、まあ、この時代 の若者として、まあ、理想主義的な目を持っていらっしゃったディボアさん、まあ、人権の擁護ということに大変な関心を持たれたそうです。もちろんフランス国内の人権擁護もそうですけれども、70年代実際には大変難しいことだったようですが、ソビエト国内における人権擁護の問題について大変な関心を持たれて活動なさっていらっしゃったようです。そのなぜ人権かというと、その人権の問題、レドワードロムというものは、これはその人間がその自分たちの存在を考えていく上で、それから実際にこう生きて活動していく上でも基本的な問題だからだとおっしゃっていらっしゃいます。でその20年ぐらい前の若い頃から今までの間、この20年間その人権の観念というのは随分進歩したと思うんですけれども、その辺を伺ってみようと思います。Il y a 20 ans, à l'époque, vous vous êtes intéressé aux problèmes des hommes, et surtout en Union soviétique, c'était pas très... À l'époque, c'était pas très reconnu, si vous voulez. Ça ne se faisait pas beaucoup de parler de ce problème. Et ce qui est intéressant, c'est que, de voir que maintenant, non seulement c'est reconnu en France, mais c'est reconnu également en Union soviétique, puisque Sakharov, qui était il y a 20 ans l'homme persécuté, devient maintenant un homme respecté. Ce progrès est, du point de vue des droits de l'homme dont nous parlons, extrêmement intéressant. Donc, on pense à vraiment une grande évolution. Une grande progression, non seulement dans l'Union soviétique, mais enfin partout dans le monde. On peut dire que les droits de l'homme, d'une certaine façon, progressent encore. に考えられるようになっていて、まあ、サハロフ博士の例などは有名ですけれども、20年前とは大変な違いがあります。でソビエトに限らず、中国でも世界各国でも人権の問題に対するその配慮というものが認められるようになってきています。実際に20年前には大変難しいことだったようなんですね。じゃあその翻ってその200年前のフランス革命、その人権宣言を生み出したフランス革命について、どんなふうにお考えになっているのか、この200年の変化について伺ってみようと思います。 Donc, cette année, on commémore le bicentenaire de la Révolution française. Mais vraiment, que pensez-vous de l'évolution de cette idée de droit de l'homme d'il y a 200 ans jusqu'à nos jours? Je crois que ce qui frappe, il y a deux choses qui frappent, c'est que depuis, malgré 200 ans, ça reste extrêmement moderne. Et ça reste, malgré cet âge, base de toute réflexion politique maintenant, je crois, dans le monde entier. Ça, je pense que c'est cette modernité qui est intéressante. Et le deuxième aspect, c'est que je crois le contenu reste aussi extrêmement moderne.
Et non seulement pour ceux qui ne le respectent pas, mais également pour ceux qui sont supposés le respecter comme nous, ça reste une base de progrès, car il y a encore beaucoup de choses à faire dans nos pays pour atteindre le niveau qui est décrit dans ces droits de l'homme. Donc après 200 ans, c'est tout de même extraordinaire de penser que ça reste aussi moderne et aussi important à défendre.でまあ、先ほどご覧いただきましたけれども、人権宣言、フランス革命の中から生まれてきましたけれども、そのあの時代における新しさ、そしてしかもその内容の一つ一つが今日になっても私たちがこれからまだ達成しなければいけない部分がを反省させられる、その基本的な出発点として考えられる、その人権宣言についてお聞きしましたけど、フランスの方はそのフランス革命についてどんなふうにお考えなんでしょうか。ちょっと伺ってみましょう。Pour les Français, que pense-t-il de la Révolution française ? Les Français, ils pensent, je crois, beaucoup de choses, mais je crois essentiellement à la Révolution française. Pour eux, c'est le 14 juillet, c'est donc la fête. C'est la fête et c'est donc un événement heureux. Et ça reste un événement prodigieusement heureux et que l'on fête. Pourquoi est-ce que c'est aussi fort encore maintenant ? Il y a sûrement beaucoup de raisons, mais je pense qu'une, c'est que pour les Français, c'est le début d'un ère nouveau. C'est un ère nouveau qui commence, qui n'a plus rien à voir avec l'ère ancien, et on fête encore ce renouveau. Et je pense que c'est là où il y a la force. Une fierté, je ne sais pas si ça doit être une fierté en tant que Français, mais en tant qu'être humain, oui, je pense qu'il y a, c'est un moment d'histoire où l'histoire a fait un pas en avant.Je pense que s'en souvenir est certainement important. On peut dire que c'est le triomphe de la philosophie française. En partie. La France 革命について、フランスの方たちは非常に楽しいお祭りのように、今7月14日を祝日として祝うように考えていらっしゃる。で、その時が古い時代から全く新しい時代が始まった、その新しい時代の始まりとして考えて、今日でもなお祝っているというわけなんですね。その根本に人権宣言があります。それではこの辺で慌ただしくて失礼いたしました。メッシモクンシュー。JOAB TV、 NHK 教育テレビジョンです。